Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu Resident Evil 4 Remake. Chapitre 12, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Tu t'es bien battu, Don Quichotte. Tu t'en tireras pas comme ça, Krauser. Cœur. J'imagine que je devrais être remercié. Ouais, tu devrais. De la qualité, rien que de la qualité. Bienvenue! Alors, qu'est-ce que t'achètes? Mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? T'as un ticket, je me trompe. Bien, être méticuleux jusque dans les moindres détails, c'est le secret. C'est un travail qui demande de la finesse, étranger. De petits ajustements peuvent faire toute la différence, tu verras. Est-ce que ça te revient quand tu veux, surtout? Voilà la tour de l'horloge. Tiens bon, Ashley. Je dois bien reconnaître que vous êtes tenace, Monsieur Kennedy. Malheureusement, la partie s'achève ici.
Débarrassez-moi de cet intrus. Rien. Thank you.
Allez, Gwen. Ça va, merci. Ça, j'ai... Chapitre 12 sur 16.
Calais, ce qui se passe. Toi, ça va? Calice, Rémi. Rémi, calice, tu joues pas mal. Ça va, je regarde après un jeu, mais pas grand chose. Tu regardes quoi? Ouais, lequel? J'en ai oublié un en bas, tabarnak. J'ai ça. C'est gentil.
Rien. Fallait shooter le gars qui était en bas. Tout à l'heure, là, je l'ai vu en bas, l'espèce de dieu qui les contrôle. Ça m'arrête. Il est là, là! Il n'a plus, c'est-à-dire. Mon gilet va pas tenir. J'attends un... Ah, il est là. Quel jeu d'horreur. Je pense qu'il y a quelque chose là, je l'entends, mais... Je vois rien. Ah, tu regardes pour un jeu, ah, ah, ah. Si t'as jamais joué à Resident Evil 1, Chris.
the fuck j'étais supposé faire là? Pas courir, I guess? Quoi puis-je t'être utile? Trésor. C'est bienvenu. Essaie d'y faire attention. Reviens quand tu veux. Ainsi, je vous ai remis la fille, comme je vous l'avais promis. Dites à notre seigneur de ne pas oublier la loyauté de son serviteur, Rama. Ashley! Léo! Comme vous êtes stupide. Vous avez reçu la grâce de Lord Saddler. Tu parles pourtant, trop. Vous
échouer. Ah, espèce de rythme sans aucun savoir-vivre. Comment osez-vous? Encore un boss, hein? Resident Evil. Ben, y avait le jeu là. Ah, j'ai oublié le nom, ça ressemble à Resident Evil dans les vieux par exemple. Thank you.
Allez. Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Je comprends pas. Je vais prendre un autre gun, bon ça marche pas ça. J'ai pas le gros. J'ai mieux mourir que... On va recommencer parce que là... Ainsi, je vous ai remis... Me mêle pas à ton scénario pourri. Thank you.
Yo, comment ça va? I like. Ah, quoi ça sort? Bouge! Ben. Ah, je pense que je l'avais une fois, non? Bon, enfin! Et d'une. Surveillez votre langage, monseigneur. Vous ne pensez que les autres. Je vais pas charger de suite.
Et encore, lisse. Il a changé son pattern, puis je suis pas sûr c'est quoi. Putain, ça je dis. Ah! Voyons, Rémi Caliste avec. Ah ben, je peux pas croire, je me suis fait. Putain, c'est moi je le dis. Même pas proche en plus. Ainsi. Je vous ai remis. Me mêle pas à ton scénario pourri. Je
claquer, voilà. Ça, je savais pas quand... Bon. Plein d'énergie peut te tuer pareil. Bon. Ainsi. Ne mêle pas à ton scénario pourri. Trop slow. C'était vite, ça. Oh! Et de deux! Allez. Oh, ça va. Ah.
Ah. Oh, dépêche! Et de 3! Ouais, il y a juste 16 chapitres. Ah, oh, je pensais pas l'avoir. Hey, j'ai même pas gaspillé d'énergie cette fois-ci, bien sûr. J'ai toute mon énergie encore, nice. Ashley, pas de temps à perdre. Pas le temps de niaiser. Je vais dîner dans 30 minutes. Que tu l'emmènes. J'ai échoué, Monseigneur. Je n'ai pas été capable d'exaucer votre dernier souhait de remettre le jeune garçon sur le droit chemin. Maître Ramon n'était qu'encore qu'un enfant quand j'ai vu, pour la première fois, le mal en lui. Lorsqu'il découvrit qu'une servante se moquait de lui et l'appelait Pulgarcito, dans son dos, il la convoqua dans ses appartements privés après avoir forcé la jeune fille à se mettre à genoux. Il lui aspergea le visage avec un flacon de vitriol sorti de sa poche. Le jeune maître regarda avec satisfaction la servante se tordre de douleur alors que la peau de son visage tombait en lambeaux, son rictus malsain hante encore minuit. Avec le temps, la perfidie de Ramon n'a fait que croire, et les membres de cette secte infernale se sont vite aperçus qu'ils
pourrait exploiter son cœur vulnérable, maudit soit-il. Ils ont manipulé Maître Ramoné, ont fait de lui leur marionnette. Et le pire dans tout cela, c'est qu'ils ont réussi à utiliser pour libérer les plagastes de la famille Salazar avait juré de garder scellé à jamais. Don Diego, rassurez-vous, j'ai l'intention de veiller sur Maître Ramoné jusqu'au bout, quel que soit le sort qui nous est réservé. Pour avoir été au service de la famille Salazar depuis mon plus jeune âge, ceci est mon devoir et ma pénitence. Moi, j'ai pas besoin de nager. Tu cherches quelque chose ? Oh, t'en échappes. Et voilà, c'était tout pour Resident Evil 4 Remake, chapitre 12, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!